Ça y est, tu t'es lancé, t'as ta première prod, il est en ligne, tu veux le montrer à tout le monde, le clip, le faire écouter, t'es excité comme tout, super fier. Et là, pa pa pa, ton entourage te soutient pas du tout. Ils ont réussi à bousiller ta joie en l'espace d'une semaine, alors que t'as travaillé sur ce projet depuis des mois, voire des années. On va essayer de comprendre pourquoi parfois le comportement des proches est plutôt chelou. Pourquoi mon entourage me soutient pas? Alors je vais t'exposer déjà une des premières raisons possibles, et c'est certainement la plus saine, et j'espère que c'est ton cas, que c'est cette raison-là. Bah, ça peut être tout simplement parce que ton entourage ne sait pas comment te soutenir. Ils sont tellement en dehors du truc que bah, ils savent pas ce que tu attends d'eux, et du coup ils sont végétatifs un petit peu. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment pas très grave. Il suffit de leur dire, verbaliser tes besoins, leur expliquer pourquoi tu peux te sentir blessé quand ils sont pas présents comme tu le voudrais, et en un rien de temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. J'espère vraiment que c'est pour ça qu'ils t'ont pas soutenu. La deuxième raison, ça pourrait être aussi parce qu'ils ne comprennent pas ton domaine. Eux-mêmes ont un domaine d'activité complètement différent. Dans ton entourage, personne n'est rentré dans ce chemin-là. Tu es le pionnier. Et ils ont du mal à comprendre ton chemin. C'est pas forcément méchant. C'est peut-être un petit peu un manque de curiosité. La troisième raison peut être un petit peu plus compliquée à gérer. C'est qu'ils ont d'autres plans pour toi. Là, on va parler quand même plus de la famille très proche. S'ils avaient des ambitions sur des métiers plus prestigieux ou des métiers ont été perpétués dans la famille et que tu viens casser le schéma familial, ils peuvent se désintéresser de ton projet, ne pas te soutenir dans ton projet pour te déstabiliser et te faire entrer dans le droit chemin. La quatrième, alors ça s'empire au fur et à mesure, c'est simplement, tristement, qu'ils ne croient pas en toi. Ils ne croient pas en ton potentiel, ils ne croient pas en tes chances de réussir dans ce domaine, et ils ne vont pas te soutenir de manière hypocrite, c'est déjà ça, mais c'est un peu blessant, c'est sûr, mais ça peut être cette raison-là. Alors si effectivement c'est cette raison-là qu'ils ne te soutiennent pas parce qu'ils ne croient pas en toi, je suis désolée, c'est difficile, il va falloir être fort. Maintenant, il faut que tu prennes conscience que c'est leur schéma de pensée, ils n'ont pas forcément raison, ils n'ont pas forcément la science infuse, ils n'ont pas forcément les informations nécessaires pour pouvoir savoir quel est ton potentiel ou tes chances de réussite, et puis finalement, ça ne regarde que toi. Maintenant, il ne faut pas oublier que s'ils ne croient pas en toi, c'est pas forcément parce que tu es nul, ça peut être aussi lié au fait qu'ils ne comprennent pas ton domaine, au fait qu'ils avaient d'autres plans pour toi, et surtout au fait que c'est quelque chose auquel ils n'ont jamais pensé. Alors n'oublie pas, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Si ton entourage t'aime, il y aura toujours de la bienveillance et il y aura toujours des solutions. S'ils ne croient pas en toi, ça peut être simplement à cause de leur schéma de pensée, parce que c'est trop surprenant pour eux, c'est un autre monde. Et peut-être qu'il faut leur laisser du temps au temps, et leur prouver que c'est pas une lubie, leur prouver que c'est quelque chose de sérieux pour toi. Et par la force des choses, à un moment donné, ils seront obligés d'accepter et de croire en toi, parce qu'ils le constateront. Ils constateront les résultats. Il y a des gens pour te soutenir, ils ont besoin de voir le résultat. Je crois ce que je vois. Pour l'instant, c'est le début. Et bah, tant qu'ils n'ont pas vu le résultat, ils croiront pas en toi. C'est sûr que c'est pas ce qu'on appelle soutenir, parce que soutenir quelqu'un qui réussit déjà, c'est un peu plus facile. Mais beaucoup de gens fonctionnent comme ça, hein. Ils vont te soutenir parce que tu as déjà eu ton résultat. Donc voilà, faut faire avec. La cinquième raison. Elle est pas cool non plus, parce que là je crois que tu peux pas faire grand-chose. Mais en fait, ton entourage est égocentrique. Si ça ne les concerne pas directement, s'ils n'ont pas d'intérêt
dans le projet, ils ne s'y intéresseront pas. Si tu es dans ce cas de figure où ton entourage est trop nombriliste, tu peux avoir une solution en les investissant dans ton projet. Il y a plein de moyens de faire intervenir tes proches pour qu'ils se sentent concernés d'une manière ou d'une autre par ton projet et les rentrer dans le game. La dernière raison que je vais te donner, c'est la sixième, c'est la pire. J'espère vraiment que tu n'es pas dans ce cas de figure, mais c'est peut-être ton cas. Ton entourage ne veut pas te voir réussir. Pire que ça, ils jubilent quand tu es dans la difficulté. Ça paraît aberrant, mais ça arrive d'être entouré de personnes qui n'ont absolument pas envie de te voir réussir. Ils te le diront jamais franchement, ils vont cacher leur jeu. Et si c'est le cas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour toi, surtout si tu t'en rends pas compte. Si tu t'en rends pas compte, c'est quelque chose qui va rester. C'est quelque chose que tu vas subir pendant des années, voire toute ta vie. Et tu auras toujours cette énergie dégueulasse autour de toi, sans en comprendre l'origine. Tu n'iras pas au bout de ton projet parce que tu seras découragé. Ou soit, tu ne seras pas fier de toi, même lors de tes plus grandes réussites. J'espère vraiment que tu n'es pas dans ce cas de figure-là, parce que ça implique de faire des choix difficiles à faire, des choix de vie, des choix où tu ne peux pas revenir en arrière. C'est des sacrifices. Voilà, mais il faut se rendre compte que c'est une possibilité. Oh merde, je me suis déprimée toute seule. Bon, on va finir sur une note positive. De toute façon, quel que soit le cas de figure dans lequel tu peux te retrouver, il n'est jamais trop tard pour faire des rencontres, des bonnes rencontres. La vie est faite comme ça. La vie est faite pour ça. Il faut se laisser surprendre, jamais fermer la porte, apporter la lumière aux autres et se laisser éclairer. Ça, c'est super important. À partir du moment où tu laisses cette porte ouverte, tu auras toujours cette possibilité de rencontrer des gens bienveillants. Et des fois, il ne suffit pas grand-chose pour rebooster quelqu'un. Tu vois, un petit sourire, un petit mot gentil, un petit soutien, un geste, un like, un abonnement. Et tu éclaires la vie de quelqu'un. Ok ? Donc, prends soin de toi et puis surtout, sois créatif. Ciao !